Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Canal Malak dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va voir comment ajouter les images GIF à nos stories sur Instagram. Les détails juste après la pause. Alors, Instagram vient de déployer une nouvelle mise à jour qui permet d'ajouter les GIF à nos stories. Alors, pour ce faire, on va ouvrir l'application Instagram et on va toucher la caméra. Alors, comme vous savez, pour créer une story, vous avez la possibilité de prendre une photo. Vous pouvez utiliser soit la caméra avant ou la caméra arrière, donc la permutation par là. Ou vous pouvez prendre une vidéo ou vous pouvez choisir une vidéo ou une photo à partir de votre galerie. Pour notre cas, on va choisir une photo à partir de la galerie pour faciliter la tâche afin de vous expliquer clairement. Je vais prendre par exemple n'importe quelle photo. Je vais prendre cette photo. Alors là, les GIFs fonctionnent dans Instagram comme n'importe quel sticker. Vous pouvez donc les déplacer, les faire pivoter, les agrandir ou les supprimer en les mettant dans la poubelle. Pour cela, donc, vous allez cliquer sur l'outil qui permet d'ajouter les stickers, ici. Si vous ne savez pas comment ajouter les stickers, donc il suffit de cliquer sur le stickers à ajouter. Mais pour notre cas, on va nous intéresser au GIF. Voilà donc l'ajout de GIF. Donc on va toucher GIF ici et on aura plusieurs, donc ici, GIF. Choisissez celle qui vous convient. Vous pouvez prendre autant que vous le souhaitez. Donc, on va prendre par exemple celle-là. Alors, on peut la déplacer. On peut la faire grandir, donc en la tenant avec les deux doigts. Et voilà. On peut la diminuer. On peut ajouter d'autres GIFs. Donc, on va toucher toujours l'outil qui permet d'ajouter les stickers. Et on va choisir une autre. On va prendre celle-là par exemple. Même chose, donc je peux la déplacer. Ou vous pouvez donc la supprimer. Pour la supprimer, il suffit de la déplacer. Vous avez ici la corbeille. Vous pouvez glisser vers la corbeille pour supprimer une GIF ou un sticker quelconque. Alors, on peut ajouter d'autres. Alors là, vous pouvez ajouter, si vous ne savez pas comment utiliser les stories dans Instagram, vous pouvez ajouter des textes aux stories. Donc, une story, soit c'est une image ou une vidéo que vous allez partager avec votre contact et qui va rester pendant un certain temps limité. Alors, pour ajouter du texte, vous touchez ici. Vous pouvez maintenant écrire le texte. Par exemple, voilà, on va ajouter. Même chose, vous pouvez donc changer ici la couleur des textes et ainsi de suite. Là, vous allez valider. Vous pouvez aussi, donc, ajouter d'autres stickers. Là, par exemple, on va prendre ça. Là, il suffit de cliquer dessus. On peut la déplacer. Même chose. On peut l'agrandir ou la diminuer comme on peut la supprimer. Donc, c'est très utile. Après, donc, vous allez toucher envoyer pour envoyer votre story à l'un de vos contacts ou à vous, tous vos contacts ou contacts que vous allez déterminer. Alors, on touche ici. Et vous avez la liste de vos contacts. Vous pouvez choisir le contact vers lequel vous souhaitez votre story en le touchant, par exemple, comme ça. Puis, vous allez confirmer avec envoyer et la story sera envoyée à votre contact. Donc, c'est une nouvelle mise à jour, bien sûr, qui va permettre de discuter toute l'année sur Instagram. Donc, c'est une mise à jour qui est pratique et utile à utiliser dans l'application Instagram. Donc, c'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir suivi. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. À la prochaine fois.